ZeroNet TV, toute l'actualité high-tech. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue, comme chaque jeudi soir, entre 18h et 18h30. C'est le débriefing de l'actualité high-tech en direct sur ZeroNet TV. C'est 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et oui, c'est reparti pour une grande tranche d'actu high-tech que nous allons parler ce soir. Les amis, tout d'abord de ces bonnes affaires que vous allez peut-être pouvoir faire à partir de demain, puisque c'est une grande opération mondiale qui s'appelle le Black Friday. Oui, votre carte bleue est tranquille, elle ne le sera plus très vite, puisque vous allez pouvoir, en tout cas, en théorie, faire de bonnes affaires avec ce Black Friday. Nous avons Frédéric Simotel qui va nous expliquer effectivement comment ça marche et si véritablement on peut faire de bonnes affaires. Voilà. Cette semaine en France, une visite officielle très importante. Hein. C'est notre ami le robot Asimo qui est venu en France. Asimo, c'est le robot le plus perfectionné du monde, robot japonais. Et nous sommes allés à sa rencontre. Et puis, on évoquera peut-être votre valise du futur tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Vous verrez une valise qui est connectée. C'est un projet, mais ça pourra arriver dès l'année prochaine. Et bien entendu, comme chaque jeudi, nous retrouvons nos amis du labo. Christophe Siminelli, Bruno Cormier qui vont nous rejoindre ici même. On parlera également avec Stéphanie Molinier d'une nouvelle marque de smartphone. C'est BenQ. Mais surtout, avant, on va faire un focus sur des produits complètement dingues. On a ça depuis deux jours, on ne les lâche plus. On a mal à la tête. On les adore. Ce sont les masques, le mal de mer. Les masques de réalité virtuelle pour smartphone. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une véritable folie autour de tous ces masques. On vous expliquera comment ça marche, à quoi ça sert. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est véritablement une innovation qu'on aura tous à la maison? Dans quelques mois, quelques années, on fera le point avec toute l'équipe de la rédaction. Voilà. Voilà, vous nous suivez sur 01nettv.com, sur Dailymotion, sur YouTube, en direct et sur la Live TV d'Orange, c'est 01 Live Hebdo, c'est parti. Et avant de découvrir ce Black Friday ou ce Cyber Monday, eh bien, un mot quand même sur notre question 01net Orange. Vous le savez, comme chaque jeudi soir, on vous demande de participer sur 01net.com. Vous cliquez sur la page du 01 Live Hebdo et vous votez. La question, justement, elle est un peu shopping cette semaine. Ben oui, alors d'ailleurs, vous ne savez même peut-être pas ce que c'est que ce Black Friday. Hein. On va tout vous expliquer dans quelques instants. En fait, c'est une grande opération de promotion sur les prix, notamment ce qui concerne tous les produits high-tech. Donc, question, allez-vous profiter de ce Black Friday pour faire des achats? Évidemment, Noël approche. Pour l'instant, eh ben, ça vous motive pas tellement. Hein. Non à 43%, oui à 32% et 25% d'entre vous ne sait pas encore. Bon, écoutez, peut-être que Frédéric Simotel qui est avec nous va nous convaincre. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Salut Frédéric. Frédéric de 01 Business. Alors Frédéric, c'est vrai que là, c'est alors justement, le business, il va être là. Véritablement, à un mois avant Noël, des fêtes de fin d'année, ça y est, il y a le Black Friday. Alors, peut-être un petit peu d'histoire avant d'entrer dans le détail. On va parler de Black Friday. Alors, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Voilà, comme Halloween. On s'est habitué à Halloween. Ben là, aujourd'hui, on s'habitue au Black Friday. Alors, c'est le vendredi noir. Alors, en fait, c'est le lendemain des fêtes de Thanksgiving. Thanksgiving aux États-Unis, c'est aujourd'hui, jeudi. Et le lendemain de ces fêtes, eh bien, il y a ce qu'on appelle le vendredi noir, donc des soldes monstres dans les magasins physiques et qui sont souvent suivis de soldes en ligne. Alors, avant, on appelait ça le Cyber Monday. C'était le lundi qui suivait. Et en fait, elles sont aussi en ligne dès demain. Alors pourquoi ça s'appelle Black Friday? Oui. Et les magasins repassaient, ils se remettaient à écrire nous on dit dans le vert, mais eux repassaient dans le noir, et donc ils se remettaient à écrire leur comptabilité en noir. Génial. Donc voilà, c'est un peu l'origine, enfin voilà, il y a différentes origines de ce mot Black Friday. Et donc ça démarre demain. Alors j'ai fait un petit tour. Alors parce voir. Que bon, c'est, évidemment là on va s'intéresser un petit peu à l'high-tech, mais c'est aux États-Unis, c'est dans tous les domaines, même en France. Hein. Ah, même on en peut France, tout acheter. Il y a du chocolat. C'est quand même très orienté high-tech en France. Ouais. Hein, mais aux États-Unis, on peut tout acheter à moins 50, moins 60, moins 70%. C'est-à-dire que les Américains font leurs courses de Noël maintenant durant ces Black Friday. Ouais. Voilà, on les fait après Noël pendant les soldes. Voilà. C'est la différence. C'est un peu ça. Alors et qu'est-ce qu'on trouve au niveau high-tech alors? Alors voilà. Alors en France, c'est un phénomène qui était un peu poussif.
Mais cette année, on sent quand même qu'il y a une... Alors, c'est crise oblige. Je pense que les magasins, les commerçants ont besoin de faire vivre leur business. Donc, on sent qu'il y a un peu plus d'effervescence. L'année dernière, il y avait qu'Amazon, voilà, qui était assez, assez fréquent. Aujourd'hui, ils sont à peu près tous là. Oui, parce que c'est à la fois dans les magasins réels et sur le web. Voilà, exactement. Alors, web, Fnac et Casino alors, certains limitent leur opération juste à 24 heures, c'est-à-dire juste à vendredi. Ouais. Fnac et Casino, par exemple, ont limité leur opération sur 24 heures. D'autres, comme Auchan, Darty ou Amazon, ça va aller jusqu'au 30 novembre, jusqu'au 1er décembre. Voilà, le Cyber Monday, toutes ces promotions. Alors, chez Auchan. Enchaîne, Cyber Monday, c'est autre chose. Oui, oui, c'est autre chose. C'est lundi. C'est Cyber Monday, c'était les soldes monstres, mais en ligne. Ouais. Donc, le Cyber Monday. Et alors là, complètement, oui, c'est ça. Vraiment, ouais, high-tech. Là, vraiment, oui, de toute façon, tout est beaucoup tourné vers le high-tech. Donc, Fred, franchement, est-ce qu'on peut faire 4 jours de shopping? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. On fait de bonnes affaires ou est-ce que c'est du marketing, encore une fois? Ça dépend ce qu'on cherche. C'est toujours pareil. Si vous cherchez un produit très précis, vous avez de grandes chances d'être un peu déçu. Par contre, si vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien acheter comme produit? Qu'est-ce qui me manque? Ouais, l'achat impulsif. Eh bien là, impulsif, on risque de trouver des bonnes affaires. Quand même. J'ai quand même trouvé, on va voir à la Fnac, il y aura 15% sur l'iPhone 6. Voilà. Apple ne fait pas du tout partie de ce dispositif, hein, que ce soit aux États-Unis. Non, jamais. Ou on ne se mélange pas. On ne se mélange pas, mais en tout cas, on pourra trouver des iPhones à moins 15%. En tout cas, cette année, Apple ne fait rien sur le Black Friday, mais les années précédentes, c'était la ruée dans les Apple Store parce qu'il y avait des promos. Et souvent, vous achetiez, par exemple, un iPad, on vous offrait une smart cover. Enfin, il y avait souvent, voilà. En France? Non, aux États-Unis. Ah, oui, en France, non, ils ont jamais fait ça. Visiblement, aujourd'hui, avec les Apple Store, la logistique qu'il faut derrière tout ça, ça paraît un peu compliqué. Donc, en tout cas, à la Fnac, moins 15% sur cet iPhone 6. Alors, chez Fnac et Casino, vous allez... chez Auchan, vous allez trouver des produits à moins 20, moins 70%. Alors, c'est un peu dans tous les domaines, mais enfin, on trouve quand même... Il y a un four à micro-ondes à 49 euros. Alors, tout le monde sait. Alors, il y a des ventes flash aussi, il faut être très vigilant sur toute cette journée. Amazon va proposer une tablette à 99 euros, qui d'habitude est aux alentours de 129 euros. C'est une tablette Amazon? C'est une tablette Amazon. De toute façon, ils n'arrêtent pas de casser les prix. Et puis à côté, il y aura des rabais de moins 20, moins 70% sur tout un tas de produits. Faites attention quand même aux mauvaises réductions des produits que personne ne veut et qui sont bradés pendant le Black Friday. Et bien justement, vous disiez tout à l'heure, Nvidia qui a la Shield tablette 32 gigas, elle coûte le même prix. Par contre, on a le droit à une manette qui vaut, elle, d'une valeur de 59 euros qui va être offerte. Donc c'est souvent ça. C'est souvent, il n'y a pas de baisse sur le produit principal. On vous offre un accessoire supplémentaire. Notamment sur les sites marchands, hein, c'est ça, LDLC, exactement. Pixmania, etc. Alors le smartphone, j'ai vu aussi le smartphone Moto X de Motorola, moins 44%, 239 euros au lieu de 400 euros. Chez Cdiscount, on peut trouver pas mal de baisses. J'ai vu des choses sur des jouets électroniques, hein, moins 85%. Oula. Alors moi j'ai toujours un peu peur quand c'est bon. Moins 85%, ça quand même, ça met la puce à l'oreille. Regardez s'il fonctionne et tout, si c'est un hélicoptère, s'il manque pas des pales ou des... Donc vous voyez, dans tous les exemples que je vous donne, c'est de ça pour vous dire, faut aller voir. Et puis, par contre, faut pas se dire, je veux à tout prix cet ordinateur à tel prix ou cet écran à ce prix-là. Voilà, c'est un peu comme les soldes, on trouve un peu. Ne me dérangez pas, je suis sur Amazon. Là. Quand Jérôme Colombin est sur Amazon, les amis, attention, ça fait mal. J'ai trouvé une poupée à moins 36%. Ah, voilà. C'est pas mal. Il faut savoir que quand même, les commerçants vont réaliser de 3 à 5% de recettes supplémentaires. Donc, c'est quand même du business. Hein. Ça vient contrer, en France, on dit que ça vient un peu contrer les achats de Noël de dernière minute. Voilà, commencer à préparer Noël d'ores et déjà. Et puis c'est vraiment compatible avec les achats à distance, parce que là on a le temps de recevoir son produit. Exactement, pour l'offrir pour Noël. On prépare tout ça. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, les soldes, c'est après Noël. Alors j'ai quand même noté 2-3 petites choses rigolotes. Ouais. La boutique du PSG, le magasin Gap, eux ils ont cru que Black Friday c'était la semaine dernière. Ils ont démarré vendredi dernier. Et sur Internet, c'est Rue du Commerce qui a démarré vendredi dernier. Donc, ou alors ça peut être aussi une stratégie de leur part de se dire on tire avant les autres pour essayer de... Oui, oui, voilà. Voilà.
voilà, je sais pas si toujours c'est des erreurs. Dans quelques années, le Black Friday sera en août. Voilà. si pourquoi pas. Donc voilà, donc quelques belles affaires, mais il faut y aller sans trop de conviction sur le produit que l'on veut acheter. Mais je vous conseille quand même d'aller voir, parce qu'il y a quand même des sacrées réductions. Hein. Ouais, des trucs pas mal. Je me suis acheté un ordi l'année dernière, plein Black Friday. Je pense que quand on n'a pas d'idée pour Noël, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter? On voit des belles réductions, on dit, tiens, ça peut faire plaisir à un petit cousin, un petit neveu. Et après, vous avez la fièvre acheteuse. Qui le revendra au J'ai l'impression que Frédéric Simotel est un peu aussi, un peu comme toi. La carte bleue, je la fais chauffer. Ça chauffe. Elle sera brûlante à Noël. Alors, tiens, justement, est-ce que vous êtes tenté par ces Black Friday? Est-ce que vous avez envie d'acheter un mois avant les fêtes de fin d'année vos cadeaux à des prix cassés? Est-ce que vous trouvez qu'on peut faire de bonnes affaires? Est-ce que vous avez déjà regardé? Dites-le nous, puisque comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag 01Live. On vous attend, hashtag 01Live. On voit que certains d'entre vous nous suivent. Titou nous dit attention aux arnaques quand même, avec le Black Friday. C'est vrai que parfois, on peut, c'est ce qu'on disait, comme dans les soldes, grader des produits qui sont pas forcément de première jeunesse. Vous savez, moi j'avais mes parents disaient toujours oui, attention, les soldes, ils essaient de nous lâcher les vieux nanars. Voilà ce que c'est. C'est souvent ça. Plein de bon sens, vos parents. Parfait. Très bien, Jérôme, on enchaîne maintenant avec un robot. Oui, mais alors pas n'importe quel robot, c'est ni plus ni moins le robot le plus sophistiqué du monde. Vous l'avez certainement déjà vu parce qu'il traîne un peu partout, c'est le robot Asimo. Asimo, ça nous rappelle quelque chose, Isaac, Asimov. Exactement, alors regardez ce robot, science-fiction. Parce que quand on le voit, on se dit c'est quelqu'un qui est à l'intérieur et qui fait le robot comme dans Star Wars. Mais en fait non, les gestes que vous voyez là, il va descendre les escaliers, bien tout ça, c'est une machine qui le fait. Et la fluidité des mouvements est simplement impressionnante. Et il faut savoir que programmer de la marche pour un robot, c'est extrêmement difficile parce que la marche, on se rend pas compte, on fait ça tous les jours. Mais c'est un déséquilibre permanent. Et en fait, faire ça à une machine, il faut s'accrocher. Donc il était en France, il était à Saint-Quentin en début de semaine. Saint-Quentin dans l'Aisne où se tenait un colloque qui s'appelait Robot Numérique. C'était Asimo la campagne un peu. C'était Asimo la campagne. C'était son tout premier passage en France. Là, il fait son show. Danse comme ça, c'est terrible. Hein. 50 ans, on voit derrière, c'est sûr. Oui, l'idée, c'est de montrer un peu qu'il faut s'intéresser aux robots. Alors, peut-être pas les robots humanoïdes comme ça, parce que c'est quand même pas pour tout de suite à la maison. Mais en revanche, les robots industriels dans les usines, vous savez que la France est très en retard dans ce domaine. On est 5 fois moins équipé en robots industriels que l'Italie ou l'Allemagne. Et on est sans doute en train de prendre un retard à ce niveau-là. Donc, il faudrait vite rattraper ce retard. On va faire combien d'emplois avec ça? À peu près 40% des emplois. Selon une étude récente, merci Asimo, vont disparaître à cause des robots. Il va se prendre un virus un jour, vous allez voir lui. Donc c'est Honda qui fabrique Asimo. Alors ça c'est Honda qui fabrique Asimo. La nouveauté dans la toute, ça fait 18 ans qu'ils sont sur ce projet. Il a 18 ans Asimo. Regardez ça, il pose le café sur la table. Oui, et alors ça c'est dans la toute dernière version, c'est depuis la dernière version qu'il arrive à faire ça, parce qu'il a des capteurs dans les doigts qui lui donnent une précision de mouvement et il peut effectivement faire des actions très compliquées comme ça. Voilà, donc là le petit figurant a perdu sa main ce jour-là, quand il... Ça fait serre la main par c'est génial. Bon, alors, ça dit, ce n'est qu'une vitrine technologique. Il coûte je ne sais pas combien de millions. Il n'est pas bradé en Black Friday. Non, pas du tout. Il n'est pas encore commercialisé. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Bon, en tout cas, il était à Saint-Quentin. Et vous savez quoi? Ce robot Asimo, c'est accoquiné. On a envoyé notre robot sur place pour le rencontrer. Voilà, il s'est accoquiné avec quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez. C'est Pépé Garcia. Exactement. Et donc, lundi soir prochain sur 01net TV, un power spécial robot. Pépé évolue avec Asimo. Et vous savez quoi? Je peux vous balancer un scoop. Il va danser avec Asimo, Pépé. Et ça, c'est un grand moment. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait notamment vous parler d'Asimo ce soir. Bon, Asimo, c'est fait. Ça, c'est fait. Jérôme, tu sais que bientôt, on va être obligé de boucler nos valises pour aller au CES de Las Vegas. Ouais. T'es au courant? Oui. Voilà. Bien sûr, j'aime pas ça, faire les valises. Le 5 janvier, on sera donc à Las Vegas pour vous faire vivre, comme jamais, avec des émissions en direct, des reportages, etc. Le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Et donc, avant de partir, il faut préparer sa valise. Regardez à quoi ressemblera la valise de demain, sans doute. C'est la valise. Alors ça, c'est vraiment la valise du geek. C'est la valise connectée. C'est ton coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine. Quand DLC a annoncé ça, c'était au début de la semaine de cette semaine, j'étais vraiment bluffé. Alors c'est un concept pour l'instant. Cette valise n'existe pas, c'est un prototype. C'est-à-dire que les gens qui voient cette vidéo, vous pouvez aller sur le site de DLC, tout est expliqué. On vous propose en fait des fonctionnalités que cette valise du futur pourrait avoir. Alors, par exemple, donc vous allez voter. Par exemple, le fait que automatiquement, elle va s'auto-peser.
Et ça, c'est super pratique. Ça, c'est top. Donc, voilà. Tu as le poids sur ton smartphone. Parce que tu sais que dès que tu en surcharge pondérale à l'aéroport, chez, à une compagnie, ça pardonne pas. Bim, hein, tout de suite. Vous payez 50 euros au minimum. Ouais. Et bien là, vous la posez par terre, elle va vous dire combien il y a, combien elle fait de poids, tout simplement. Elle s'autopèse. C'est joli, ça, s'autopèse. Oui, c'est bien. Mais elle fait d'autres trucs, hein, je Mais crois. Bien sûr. Elle est capable aussi de vous dire si elle est bien dans le même avion que vous. Vous êtes installé à votre siège, elle est dans la soute et vous voulez être sûr que, voilà, qu'elle ouais. vous suit, hein, parce qu'on sait qu'il se passe des choses parfois avec les bagages. T'en sais là, quelque chose, communique. Oui, ouais, j'en sais quelque chose. Oui. Oh, ça va. Non, non, c'est par vrai, exemple, quand vous arrivez à Roissy, si votre valise est à Los Angeles, si vous voulez, c'est un peu flippant. Ouais. Et donc là, si votre valise n'est pas dans la soute, dans le même avion que vous, vous recevez un petit message qui vous dit attention, la valise n'est pas dans l'avion. Donc là, c'est très simple. On dit, on décolle plus. Stop. Arrêtez tout. Ça va être la pagaille, oui, ça. Ça va être super. Voilà. Après, il y a des enceintes, comme le disait Frédéric Simotel. Vous allez pouvoir ajouter des enceintes, un système de d'empreintes digitales. Ah, il y a un truc qui est pas mal, je trouve. C'est on te prévient quand tu arrives à destination si par hasard elle a été ouverte. Autrement dit, si quelqu'un a essayé de piquer quelque chose dedans. Voilà. Ça aussi, ça m'est arrivé. Et donc, alors, vous allez sur le site de DLC, vous votez pour les fonctionnalités qui vous intéressent. DLC. En prendra compte et fabriquera la valise qui aura le plus de fonctionnalités plébiscitées. C'est-à-dire très malin. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent pas tout mettre non, dedans. Non, parce qu'autrement, elle coûterait trop cher. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Il y a même une fonction. Il y a une fonction chargeur. Et voilà, chargeur, ça aussi, c'est bien. Vous ouais. avez une batterie supplémentaire qui va vous permettre de recharger votre batterie, votre smartphone ou votre tablette, si par exemple, vous la laissez dans les bagages à main. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que tous les objets deviennent connectés et il était temps que les bagages s'y mettent parce que les bagages, ils sont un peu ringardos. Hein. Et je dirais même qu'il y a un autre gadget qui est en train d'arriver, c'est British Airways qui teste ça. C'est la couverture que l'on a quand on est dans l'avion. Alors, ils vont vous donner un petit bandeau avec des neurocapteurs qui sont connectés à la couverture dans laquelle sont insérées des fibres optiques. Et alors, on va voir si vous êtes totalement calme en train de vous endormir, la couverture va être bleue, donc on ne viendra pas vous déranger. Si vous êtes un peu stressé, un peu énervé, la couverture va être rouge, donc l'hôtesse pourra venir vous donner un verre d'eau, un petit calmant. Donc voilà, là aussi, dans l'avion, on saura un petit peu dans quel état on pas est. Pas mal. Alors, c'est pas le seul projet de valise connectée. Il y en a un aussi qui est en déploiement sur le crowdfunding et qui devrait sortir oui. en août prochain avec visiblement les mêmes fonctionnalités. Et celle à laquelle tu penses, je crois, elle aura quasiment une balise GPS qui permettra vraiment de savoir où elle se trouve partout dans le monde. Non, mais il y a un truc qui est génial aussi, c'est par exemple quand vous attendez, vous savez, vous venez d'atterrir, donc vous sortez, vous attendez votre valise sur le tapis roulant et puis au bout d'un moment, il y a toujours ce stress parce que si vous êtes livré en dernier, vous dites mais où est ma valise ? Et là, vous pourrez avoir aussi notification quand votre valise se rapprochera de votre smartphone, donc vous serez quand même rassuré et tout ira mieux. Ouf. Mais tout cela ne vaut pas le seul un vrai gadget. Non, la valise qui vous suit toute seule. C'est dommage, je crois qu'on n'a pas d'image là. Ah ouais. Et la valise robot qui vous ah suit. Ouais, ça, c'est top. Ça fait 2 ans qu'on en parle, mais le projet est toujours pas là. Hein. La valise avec des petites chenillettes. T'imagines, t'es dans l'aéroport et tout, t'as ta petite valise qui te suit. Ouais. Ça, c'est top quand même. Vous voyez qu'on fait un petit peu une fixation, nous, sur les valises, les bagages, tout ça. C'est un peu notre truc. Voilà, chacun son. Ben oui. Et puis parfois, on les a même sous les yeux. Mais ça, c'est quand on est vraiment très fatigué. Bon, Jérôme, 18h18. Si on enchaînait maintenant avec le labo. On va accueillir nos amis du labo, effectivement, Christopher et Bruno, pour parler de trucs absolument géniaux. Restez avec nous. Ça y est ? Ça serait sympa de faire une émission comme ça tout le temps, non ? Ah, c'est top. Bon, on fait un peu Daft Punk, hein, tous comme ça. Hein, mais ça va, Christopher ? Peut-être que dans 10 ans, on sera tous avec... Non, je suis sur un roller coaster, là. Je te vois pas. Je suis pas avec vous, là. Le problème, c'est que moi, je vous vois. Je vous vois complètement flou, comme si vous étiez dans un aquarium, mais je vous vois. Moi, avec mes Samsung Gear VR, alors là, je vois rien du tout. Mais rien du tout, je vois une bataille de vaisseaux spatiaux. Donc je vais arrêter là. Et oui, alors c'est rigolo, ça c'est un vrai phénomène. Voilà ce qu'on fait depuis 2 jours. En ce moment, on travaille dur. On teste les masques de réalité virtuelle. Et regardez, d'un coup, ben voilà, ça fleurit cet automne, ça arrive. Alors il y en a en carton, il y en a en plastique, un petit peu plus évolué. Et puis il y a le Samsung Gear VR, dont on vous présentera les fonctionnalités mardi prochain dans une petite vidéo qui sera dédiée. Pas trop loin les lunettes, parce que après je ne vais plus rien voir. Merci Frédéric Simotel.
Bon alors, c'est assez génial ce truc. Hein. Vous êtes en train de préparer des tests très approfondis pour Zeronet.com. Mais en deux mots, Christopher, vous pouvez nous expliquer un peu ce que... Alors, Google a présenté ce projet qui s'appelle Cardboard à Google I.O. 2014, donc cette année. C'est vrai que nous, on voyait ça d'un œil un peu circonspect, on va dire. C'est quoi encore ce gadget? Il n'y a pas franchement de... C'est quoi? Quel est l'intérêt, quoi? Donc, c'était dans la lignée de l'Oculus dont on vous a déjà parlé. C'est celui-là, le Cardboard, non? C'est un... C'est ça, carton, ouais. Hein, celui-là, c'est celui qui... Non, c'est plutôt... celui-ci, oui. On parlera après des... Excuse-moi, mais ils se ressemblent un peu. Ouais. C'est pas du tout la même matière, Jérôme. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est pas la même matière, c'est pas le même design. Ça sert à quoi ? Alors, ça sert à quoi ? Vous utilisez des applications. Vous glissez votre smartphone juste devant les lentilles, Jérôme. Peut-être que tu peux ouvrir un peu à l'avant. Voilà, alors... Ah oui, il y a un scratch et tout. Voilà. Vous glissez votre smartphone devant les lentilles et avec des applications en split screen, c'est-à-dire avec deux écrans, les lentilles de DVR Glasses vont reconstituer une image plus ou moins en 3D qui vont donner à peu près le même effet que Oculus Rift. Et donc avec l'accéléromètre de votre téléphone, vous allez pouvoir diriger votre regard dans une scène en 3D et c'est tout à fait saisissant. Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui ? C'est que il y a beaucoup de boîtes qui commencent à sortir leur propre casque. On a Arcos qui a sorti le sien, on le voit en plastique, le noir. Les boutiques les boutiques spécialisées dans les objets connectés ont sorti leur propre modèle qui est plutôt sympa. Et bien sûr Samsung ils ont lancé leur Gear VR. Quand même, bon, là, des trucs en carton, là, des trucs en plastique qui ont l'air un peu mieux. Celui-là, qui a l'air encore plus évolué, en plus, qui est très cher. Hein, et qui marche, qui ne fonctionne qu'avec le Galaxy Note 4. Ouais. Regardez, d'ailleurs, c'est étonnant. Ça coûte 200 euros, ça. C'est là, c'est ici. Donc, il y a un peu. Donc là, vous avez le Galaxy Note 4 qu'on enlève, en fait, avec un petit déclic. Hop, j'enlève le téléphone qui est là. Hop, et je le remets ici. Donc là, le Gear VR, lui, ne fonctionne qu'avec le Galaxy Note 4. Hein. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a plein de modèles comme ça à des prix totalement très différents les uns des autres ? Disons qu'ils font pas du tout tous la même chose. Il n'y a pas les mêmes capteurs, il y a des contrôles aussi différents. On voit quand même que le modèle de Samsung est particulièrement évolué. Donc les modèles en carton qu'on voit ici, c'est le niveau 1 du casque à la réalité virtuelle. C'est le modèle de base, le modèle de référence de Google. Ça, on te le donne. Il coûte une dizaine de dollars. Pour l'instant, Google le donne. Ça. Ouais, Google le donne. Celui qui est l'autre modèle qu'on voit en carton, il coûte 3 euros. 3 euros. C'est Tiget. Mais les gars, en 2 minutes. C'est les nouvelles Google Glass, les amis. On sait que les Google Glass vont s'arrêter. Google va remplacer ça par ce truc en carton. À l'heure actuelle, je suis sûr qu'il s'est vendu beaucoup plus de casques en carton comme ça que de Google Glass. Donc peut-être que l'avenir de la réalité virtuelle, etc., passe par ces petits objets-là qui sont pas chers du tout. En fait, le vrai truc, l'astuce, c'est ça. C'est les deux lentilles qui sont là. Hein. C'est ça le cœur du dispositif. Alors, on va bien les voir là. Qui sont en fait des lentilles qui nous permettent d'avoir l'écran du smartphone très près des yeux, mais de voir net, de ne pas le voir flou. Exactement. En gros, c'est des loupes. En fait, hein. Oui, c'est des loupes. Voilà, c'est des loupes qui zooment. C'est vrai, Le problème, c'est que c'est pas du tout parfait parce que en fait, quand on regarde pile en face, c'est net. Et dès qu'on va regarder, on va tourner les yeux et regarder sur les côtés, ça va devenir flou. S'il y a un effet de diffraction avec la lentille. Bien sûr. Donc en fait, tout va se jouer sur la qualité des lentilles. Ouais. On a déjà vu que les lentilles étaient de qualité différente selon les casques. Et donc ça va être important puisque en fait là-dedans, à part le carton, il y a juste des lentilles. Quoi. Mais Bruno, Christopher, est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce truc-là à 10$ et le Gear VR donc de Samsung qui n'est pas encore sorti, pas du tout, qu'on a en exclu pratiquement. Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau qualité ? Alors bon, déjà vous remarquerez qu'il n'y a même pas de sangle là-dessus, donc vous pouvez pas le mettre sur la tête. Le Gear VR de Samsung, vous pouvez le mettre sur la tête, les sangles sont spécialement étudiées pour. Il a été fait en collaboration avec Oculus Rift, qui est donc qui est la référence. Le pionnier, la référence en la matière. Donc là, pareil, ils vont récupérer... ils vont récupérer les lentilles de Oculus, mises au point par Oculus. Et il y a des capteurs en plus pour bien assurer que le mouvement soit parfait. Voilà, il y a une touche tactile en plus sur le Samsung, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Ouais. Je pense que ça va être moins de 200 euros, voire peut-être même 150 euros, je suis pas sûr. On a une question de Mathieu, le Google Cardboard est-il compatible avec un Galaxy S4 ? Le Google Cardboard est compatible avec n'importe quel téléphone. Vous pouvez même l'utiliser avec un iPhone, parce qu'aujourd'hui il y a des applications VR sur le... Ah, également sur le... Ça marche avec un Nokia 3310 ou pas ?
Mais bien sûr, tu mets les deux Nokia 3310 là. Faut juste faire attention à la taille du smartphone. Donc oui. Limitez-vous à du 5 pouces. Entre 4,7 et 5,2 pouces, ça devrait aller. Après, c'est un peu du bricolage. C'est un peu du bricolage. Du carton, ouais. Mais ouais. Pas de phablette, pas d'iPhone 4. Ouais. Et pas d'iPhone 6 Plus aussi. Si, iPhone 6 Plus, ça peut peut-être marcher. Ouais. Ouais. Et tous ne sont pas hyper confortables. Je veux juste rajouter ça. Quand on glisse son smartphone devant, on sait que sur les côtés des smartphones, on a le bouton on-off et de volume. Parfois, si le téléphone, il y a trop de pression dessus, on se retrouve avec le volume qui change, ou bien carrément le téléphone qui s'éteint. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est pas non plus le confort optimal pour l'instant. C'est génial. Franchement, ça, on s'amuse. Immergé là-dedans. Oui, parce que hier, on s'amuse avec ce truc-là. Mais on a vomi deux fois. Incroyable. On a vomi deux fois. On a pas filmé. C'est quoi l'avantage de Samsung? En fait, c'est pas la marque, le casque en lui-même, c'est le contenu qui va être fourni. Ouais, c'est le contenu. Donc, c'est des films en 3D, en 360 degrés partout. Enfin, c'est vraiment réussi, hein. Le contenu est vraiment enthousiasmant. Hein. Des concerts, on pourra se retourner vers le public, se retourner vers la scène, on pourra faire des safaris. Là, on voit des safaris avec des éléphants carrément au milieu. Visiter la planète Mars, enfin, il y a un truc sous l'eau, avec des poissons. Et d'ailleurs, on en parlera mardi matin avec une petite vidéo qui vous présentera en quelques minutes ce Gear VR. Donc. Bon, voilà. En fait, mais ça peut être une idée cadeau sympa. Ah ouais, oui, je crois que c'est vraiment une idée cadeau sympa. Ouais. C'est 24,90€. Franchement, c'est sympa comme idée cadeau. Dans 6 mois, on n'en parlera plus, mais c'est et pas 3 grave. Euros. On est geek. Ah, on aime bien tu ça. Crois ah, je ah, sais pas. Non, non, peut-être pas celui-ci, mais là, je pense qu'on atteint quand même assez rapidement les limites avec ce genre de Je sais pas, parce qu'on voit quand même de plus en plus d'applications dédiées à ce type de casque. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire. Mais on verra. On verra. Bah, je suis comme toi. Les paris sont lancés. Tout un dossier en préparation sur 01net. Oui, la semaine prochaine, on fera un peu le tour des modèles existants, les meilleures applications. Tout savoir en détail. Donc, vous saurez tout la semaine Très prochaine. Très bien. Parfait. Tous les sacs anti-vomitifs que vous avez utilisés pour l'occasion. On va sortir des sacs anti-vomitifs 01net. Voilà, c'est ça. Que nous offrirons à tous nos auditeurs qui remporteront donc ce truc-là. On fera un comparatif d'ailleurs. Non, Bruno Cormier, attention. Là, on va déraper. Et voilà, ça dérape. Bon, hashtag 01live si vous voulez partager avec nous cette émission en direct et si vous voulez dialoguer avec nous. N'hésitez pas. Oui, est-ce que ça peut marcher avec l'iPhone 6 Plus? Oui. Yoni nous demande, on lui dit oui. Oui. Il faut qu'il y ait les contenus. On va vérifier. L'iPhone 6 Plus semble c'est sûr, j'ai essayé sur le leak, voilà. J'ai essayé juste avant l'émission, ça marche. Bon, allez, on va terminer avec un petit focus sur des smartphones, des nouveaux produits, parce qu'on aime ça, vous le savez, dans 01live Hebdo, et Stéphanie Molinier revient avec des choses qu'on n'a encore jamais vues, hein, c'est ça? Exactement. C'est une nouvelle marque qui s'appelle comment? Alors, c'est une nouvelle marque qui s'appelle BQ, qui ne sort pas de nulle part, parce qu'en fait, c'est le numéro 2 des smartphones Android en Espagne. Ah ouais? Donc, mais c'est un peu quoi? C'est un peu comme le Wiko espagnol? Pas tout à fait, pas vraiment. C'est pas la même philosophie. Déjà, ils sont numéro 2 du marché, donc vraiment, ils ont su créer des produits qui plaisent. Et ce sont en fait des jeunes ingénieurs, voilà, qui ont fait leurs études à Madrid. Et qui ont décidé de fonder une société sur les nouvelles technologies. Ils ont commencé par des clés USB, des liseuses. Ils sont leaders dans l'impression 3D. Et donc, ils se sont lancés... C'est un peu comme l'Arcos espagnol ? Un peu, voilà. Ce serait déjà plus ça, mais avec plus le côté vraiment... avec plus le projet de concevoir les produits... beaucoup plus, c'est beaucoup plus ancré dans leur philosophie. Et donc, en fait, ils arrivent là en France avec toute une gamme de produits, mais plus particulièrement une nouveauté qui est l'Aquaris E5 4G. Donc, c'est un smartphone 4G et qui nous a magnifique, qui nous a vraiment bluffé par ses composants. Il aurait pu mettre une perruque aussi, mais enfin bon, ça c'est un autre détail. Donc, alors sur ce smartphone, comme son nom l'indique, c'est un smartphone 5 pouces, 4G, ouais. Et il embarque des composants plutôt sympathiques, puisqu'on a un Snapdragon 410, c'est la dernière génération des processeurs Qualcomm. Il a également, et ça c'est important, il a une très grosse batterie de 2850 mAh, et ça je pense que ça peut faire la différence. Vous l'avez testé, l'autonomie déjà? Là, ici on a l'ancien modèle qui n'est pas 4G, qui va ressembler, enfin les deux se ressemblent vraiment énormément. Le 4G n'arrive que la semaine prochaine, donc on en saura plus très 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 rapidement. Et Positionnement prix?
Le positionnement prix, ben, il est pas mal, parce que c'est pas du smartphone low cost à 100 €, pas du tout, c'est pas le principe. C'est un smartphone à 230 €, 5 pouces, donc c'est déjà quand même du grand écran, et avec, comme je disais, vraiment des composants, des caractéristiques de qualité. D'accord, on donc on est capteur, plutôt dans du haut de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. On est, oui voilà, sur le milieu de gamme, mais plutôt bien équipé. On a un capteur photo Exmor, 13 mégapixels, donc Sony. Et j'ai essayé de jouer un petit peu avec, parce que sur l'ancien modèle, je crois que c'est à peu près le même capteur. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon. Voilà, exactement. Alors la marque s'appelle BQ. Alors, BQ. Ouais. Un peu à l'anglaise. Christopher, je crois, veut nous faire une petite pirouette verbale. Allez-y. Non, Christopher, parce que tout à l'heure... Je me pose, est-ce qu'ils vont faire des barres de son? Alors, pourquoi ça, des barres de son? Pourquoi des barres, parce que des barbecues. Voilà, des barbecues. Voilà. Bravo. Tu peux envoyer les applauds. Christopher, merci, BQ, justement. Non, pour juste généralement que les juste pour la petite histoire, BQ, ça vient de book. B-O-O-Q en espagnol, parce que ce sont des concepteurs de liseuses. Ah oui, d'accord. Et donc ils ont retiré les hauts, ils ont gardé la marque BQ. Et comment ça se dit en espagnol, alors BQ? Ah, c'est vrai, ça. C'est une bonne question. Je ne parle pas espagnol. Au secours. Qui parle espagnol? Non, on est tous germanophones. En même temps, on est en France, donc il y a raison qu'on le sache. Voilà. Mais je pense qu'ils disent BQ. Mais tout ils vont simplement sortir en France, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, tout à fait. A priori, ils sont disponibles sur le site commercial de BQ pour la France dès demain. Très bien. Mais ils arrivent quand même sur un marché encombré, ça va pas être facile. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est pas facile. C'est bien, on n'en avait pas beaucoup d'espoir. Mais oui, non, voilà, des smartphones, on avait 5 pouces, il n'y en avait pas du tout. Quoi. Pour le peu que j'ai pu voir du téléphone, là, en début de semaine, à Madrid, vraiment, ça a l'air d'être plutôt pas mal comme appareil. Et puis, c'est surtout, encore une fois, la batterie, ces choses-là. Et le test bientôt donc sur 0.net. Voilà. Hein. Et là, j'ai mesuré l'écran, il a une luminosité exemplaire. D'accord, parfait. Merci beaucoup Stéphanie Molinier. Super. Allez, un dernier mot, je pense. Oui. Ah, il est venu avec sa barre. sa barre de son. Oui, exactement. Non, vous connaissez tous Beats, le fabricant très connu de casques qui a été racheté par Apple. Donc là, ils sortent une enceinte sans fil qui s'appelle Beats Pile XL. Oui. Il faut que je la prenne. Ouais. Elle est sympa. Je la prends. Une petite poignée. Alors, c'est pratique. Hein, ça fait bien. Bon, nous, souvent, au labo. Faire de la muscu, t'en achètes deux. Souvent au labo, oui. Souvent au labo, on note que les produits Beats sont très chargés en basse. Ouais. Donc là, c'est cohérent. C'est très chargé en basse. D'accord. Mais en jouant un peu avec l'égaliseur audio, on arrive quand même à avoir un son plutôt correct et plutôt pas mal. Et on a beaucoup aimé cette enceinte par son design qui est plutôt sympa. Très jolie. Elle est sans fil. Si vous en achetez deux, vous pouvez faire un système stéréo, ce qui est plutôt sympa. Ils en avaient stéréo pas déjà une comme ça, mais petite. Oui, plus petite. Exactement, c'est la version XL. Tu peux acheter un petit bonhomme en accessoire qui permet de mettre l'enceinte en fait dans sa bouche. Et ça fait un petit bonhomme sympa qui permet en fait de tenir l'enceinte. Vous avez pas vu ça? Non, parce que j'ai l'impression que je parle tout seul là. Je ne vais pas. Non, mais je vous assure qu'il existe un support. Un petit bonhomme. Toujours l'enceinte dans la bouche, François. Alors, on va pas préparer les images, mais la prochaine fois, on vous les montrera. Parce que le petit bonhomme porte des valises aussi à l'aéroport. C'est ça, sous les yeux. C'est un petit bonhomme en mousse. Non, c'est un modèle très sympa, qu'on recommande. Du coup, ça coûte quand même 300 €. Mais il y a des enceintes sans fil, franchement, qui sont vendues aujourd'hui entre 150 et 200 €, qui ont un son tout à fait exécrable. Là, c'est pas le cas. Donc, souligne. Très bien. Bon, voilà. Je crois que quand même le mot de la fin, Christopher, redire un petit mot des 01net Awards. Oui, les 01net Awards, vous avez encore jusqu'au 1er décembre, donc c'est lundi, je crois, jusqu'au 1er décembre pour voter pour les 10 produits de l'année. On rappelle qu'il y a quand même 7 000 € de cadeaux à gagner, dont des tablettes, des smartphones, des mini PC, beaucoup de choses, des montres connectées. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous avez encore jusqu'à lundi. Voilà. Donc vous allez sur le site de zeronet.com, tout est expliqué. Voilà, tout est là. Avec de très très beaux cadeaux à gagner. Et puis le dernier mot de ce live, on vous réserve un spécial cadeau de Noël, un Zéron Live géant. Bien, un Zéron Live hebdo géant, ça sera le 11 décembre prochain. Pendant une heure, on vous conseillera en direct sur tous vos cadeaux high-tech des fêtes de fin d'année. Et vous pourrez poser vos questions à toute la rédaction de Zéronet qui sera là pour y répondre en direct. C'est quand? Le 11. Le 11, c'est un... jeudi. C'est un jeudi. Attends, tu me fais douter. Non, mais je sais, c'est pour que je le répète. C'est le 11 décembre à partir de 18h.
Allez-vous profiter du Black Friday pour acheter des produits high-tech? C'était la question 01net Orange. Et voici où nous en sommes. Ça ne vous excite pas outre mesure le Black Friday? 47% non. Oui, 29%, 24% ne sait pas. Bon, c'est demain. Continuez à voter sur 01net.com. Merci d'avoir été avec nous. On remercie Christopher Similelli, Bruno Cormier, Stéphanie Molinier, Frédéric Simotel qui était tout à l'heure avec nous, Bérangère Le Pesqueur derrière les caméras, Florian Beaufreton, Jérôme Giliberto et puis Léa, notre petite stagiaire qui est là depuis quelques jours et qu'on salue. Voilà. C'est bien, tu n'as oublié personne. Je crois parfait. Oui, j'ai oublié de signaler les lumières aussi, mais bon, ça c'est pas grave. Non, bon, c'est terminé, ça a arrêté. Bonne soirée, merci d'avoir été avec nous et à demain sur 01net TV. Salut à tous.